Peu importe, je vous propose qu'on reprenne là-dessus, sur ce moment de blanc où on le rappelle, Icebreaker, Shaiwan et Bulg étaient en train d'être. Salut Raide. Étaient en train d'être escortés par quelques gobelins autour, menaçants et menacés. Vous étiez en train d'être emmenés vers le nord-ouest du camp. Je vais repasser sur la battle map pour tout le monde. Ititi, voilà où on en était. Il faut s'imaginer que les ponts sont au-dessus hein, de la cour dans laquelle vous marchez. Valak était au-dessus, il y avait des gobelins un peu partout qui commençaient à arriver, à regarder de loin ce qui se passait. On rappelle que Valak a tatané complètement l'un de ce qui était censé être leur chef suprême. Leur chef suprême de guerre, en fait. Il s'est fait complètement wipe, du coup les gobelins sont un peu hésitants à vouloir saisir ce cher Valak. Et de l'autre côté, on a Stick, qui était en train de se faire prendre à part par ce cher Yarknock qui lui a révélé être un gnome. Je vais donc me tourner eh bien, vers Stick en premier lieu, parce que c'est sur lui que le twist s'est produit. Tu vois ce petit gnome gobelin, ou gnome, je sais pas comment on peut dire. Un gnobelin, exactement, j'aime beaucoup un gnobelin. Il sait. Il s'enfuit, c'est très efficace. Je viens de voir le chat aussi. Qui se retourne vers toi et qui te dit. Mais dites-moi que vous êtes là pour me sauver, dites-là que vous êtes là pour me sortir d'ici. Est-ce que vous êtes là pour me sortir d'ici? Hein? Est-ce que vous êtes vraiment là pour me sortir d'ici? Vous êtes qui, bordel? Mais c'est moi, c'est Yarbnog, le chef. Mais putain, sortez-moi d'ici, bordel, ils sont fous. Venez. Comment vous êtes arrivé ici? Mais c'est pas le chef. Comment tu crois que je suis arrivé ici? Mais si je dis aux autres que le chef c'est un homme, vous allez pas. Non, mais tu leur dis pas justement. Viens, on va parler si tu veux. Tranquille, viens. Déjà, dites à vos sbires là de pas bolosser mes potes. Ils doivent mourir, mais pas maintenant. Mais ils sont avec toi. Oh, mais t'as ramené trop du monde en fait. Ok, bon, d'accord. Et là, tu vois que d'un coup, il change complètement d'attitude. Il se met. Wesh. J'avoue que j'ai glissé, j'ai pas du tout fait exprès, pardon. C'était pas voulu, je sais pas pourquoi. Ah, c'est dimanche, c'est bon. Et il va s'avancer, donc imaginez qu'autour de vous, c'est quand même en train de se masser. Il y a des gobelins combattants, non combattants, femmes, enfants, toutes les familles commencent à s'attrouper un petit peu autour. Je vais pas mettre les tokens sur la map parce que sinon, ça a beaucoup trop ramé, ça va être super chiant. Mais ça attire l'attention quand même, hein. Il regarde cet ours polaire qui maintenant est sans maître, enfin avec le maître qui est tombé au sol et qui est mort, qui va sûrement se faire bouffer d'ailleurs par son ancienne monture, c'est très probable que ça finisse comme ça. Pendant que vous êtes en train d'être poussé par des petites piques, des javelines et des épées courtes en direction du nord-ouest du camp, et vous allez voir ce cher Yarbnok qui va se mettre sur l'une des passerelles et haranguer la foule, lever les bras au ciel. Et vous comprenez qu'il utilise de thaumaturgie parce que ça porte beaucoup trop loin, sa voix. Et qui regarde et dit « Ces hommes sont des élus. Ces hommes sont là pour nous protéger. Laissez-les aller à leur gré. » Et vous voyez que d'un coup, tout le monde se calme comme ça. Il change complètement d'attitude. Il a une pause. On voit ça dans le sud d'habitude, en fait, ce genre de discours qui sert à rien. Mais les gobelins, vous voyez que waouh, ils parlent si bien, waouh, c'est un peu la demi-admiration quand même. Juste HRP, on comprend rien à ce qu'il vient de raconter, nous. Non, il est en gobelin. Mais je l'ai traduit évidemment pour la scène, mais c'est en gobelin, évidemment, vous comprenez rien. Mais par contre, même pour du gobelin, vous sentez que c'est un langage éloquent, quoi. Les mots sont prononcés pas aussi rapidement que les gobelins le font. La voix est beaucoup plus gutturale, plus grave, elle porte via la thaumaturgie, vous l'aurez compris. Et ce cher Yarbnok qui revient vers toi, Stick, il dit « Bon, t'es content, il va te les... Viens ! On va parler ? Faut que tu me sortes d'ici, là !» Je fais un signe de tête et en fait, le plus discrètement possible par rapport à Yarbnok, j'essaye de faire un signe aux autres à monter et venez, quoi. Est-ce qu'il devrait... Un jet de discrétion ou on s'en fout ? Fais-moi un petit jet de discrétion pour voir, ouais, s'il te plaît. Faut pas que je le vois faire les... Déjà, qu'est-ce qui lui arrive à l'autre là? Il fait une crise d'épilepsie ou un truc dans le genre? Une crise d'épilepsie. Ouais, ok, ce sera capté par personne.
Même pas nous. Parce qu'elle voilà. s'est captée par nous. Non, évidemment. Attends, j'ai une sauvegarde de sagesse. Donc je leur dis de monter et puis je suis cet imposteur. Non, j'ai pas vu. Non, j'ai pas vu. Pour monter aux étages, il y a des échelles un peu sur chaque plateforme en fait, hein, qui vous permettent d'accéder aux étages. Notamment depuis chaque espèce de tour de garde qui encercle la porte. Et tu le suis, du coup il t'emmène en direction de la structure que vous aviez aperçue de loin, qui en fait, dans un château plus standard, serait eh bien le donjon lui-même, le cœur, le château à proprement parler. Là il s'agit juste d'une grande cabane, d'une très grande cabane. En bois, rafistolé. Vivement, il y a de la lumière dedans et il y a de la fumée qui sort d'une cheminée, donc c'est qu'il doit y faire bon. Et il part là-bas, comme ça, là, touc touc. On va remettre la battle map. Par là, oui. Il part là-bas, là, touc touc. Voilà. Vous apercevez d'ailleurs sur le mur ici. Voilà. Ils sont pas mis sur la bonne couche, mais ils sont là. Ah! Ah! Tremblement de terre. Ouais, c'est beau. Putain, j'ai le mal de mer là. Tremblement de terre. Hop là. Vous voyez des gobelins avec Le ravin et tout ça. Avec leurs petits loups. Il faut s'imaginer que dès qu'il y a un token sur la map, ça représente plusieurs gobelins à chaque fois. Je voulais pas spammer. Et vous voyez qu'il sort une grosse clé bien moyenâgeuse de sa poche. Il ouvre la porte qui était verrouillée du coup. Et il pousse et en fait il se retourne et il dit mais ils viennent avec nous. Okay, bon, très bien, peu importe, si vous êtes là pour me sauver, c'est très bien, c'est pas grave. Et il trace dans à l'intérieur du bâtiment. Et en fait, vous allez rentrer dans ce bâtiment suivi par lui. Visiblement, il n'y a personne là-dedans. Alors vous voyez qu'il y a plein de visages gobelins qui se tournent plein d'incompréhension et de surprise en fait. Parce qu'il y a des gens qui sont arrivés chez eux, qui ont fait un discours de rébellion ouverte, tu vois. Tout le monde était saucé, et puis d'un coup, il y en a un, l'élu des dieux, il a tatadé leur chef en moins de deux. Et puis après, leur chef à eux, il leur a dit laissez-les tranquilles, je les emmène. Voilà. Pour vous, c'est peut-être une journée normale, mais pour eux, c'est quand même assez surprenant. Donc vous avez plein de visages apeurés, craintifs, vous voyez, et suspicieux envers vous, plein de surprises, mais personne ne semble s'opposer au fait que vous alliez dans cette pièce-là. Alors je vais juste enlever pour plus de praticité absolument toutes les portes, parce que de toute façon, vous le verrez, c'est minuscule comme endroit, c'est à taille gobeline, hein, on le rappelle. Vous allez rentrer dans cette espèce de château, qui pour le coup est un tout petit peu décoré, alors il y a quelques petites statues, quelques petites décorations, quelques petites sculptures de bois, d'os, ils sont posés sur quelques petits meubles qui ont clairement été dérobés ou fabriqués à la hâte. Il va vous emmener dans sa petite pièce là sur la droite du bâtiment. Vous pouvez rentrer, mais bon, on va pas très peu se servir de la map au final parce que c'est minuscule, c'est taille gobelin et gnome. Hein, donc Valek, toi ça va, c'est à la bonne taille. Juste, On est bien à 3 là. juste comme il faut, quoi, voilà. Et lui, il va rentrer là-dedans. Qui est en fait dans sa petite chambre, donc ça fait 2 mètres sur 2, hein, c'est vraiment tout petit. Mais vous voyez qu'il y a un lit, une place qui est posée, il y a un petit bureau, une petite table basse, il y a un tapis au sol, quelques tentures au mur qui représentent rien de particulier, c'est juste de la laine tissée, mais bon, peut-être que pour eux ça représente beaucoup. Et vous le voyez là-dedans qui s'assoit sur son lit et qui sort quelque chose de sous sa veste en fait. Je me souviens plus si je l'avais décrit, mais dans le doute, je vais le refaire là. Une espèce d'objet cristallin, de couleur noire-violette, très légèrement translucide, avec des petites gravures sur une espèce de pied. On dirait en fait un gros œuf de Fabergé. Mais il va sans dire que c'est de la cardaline. Vous reconnaîtrez ce minéral mythique et légendaire de la région et même plus globalement des royaumes oubliés de Donjons et Dragons. Et vous le voyez que d'un coup, frénétiquement, il se met à le caresser, cet œuf. Il vous regarde, il dit Vous avez bien fermé la porte, hein? Parce qu'ils sont super cons, hein. Enfin, ils vont essayer de rentrer au bout d'un moment. Hein. Ils parlent en commun, là ou... Ils parlent en commun, oui. Parce que juste avant ça, quand on rattrape Stick, puisque nous on a rien entendu de oui, ce qu'il disait, Valek, il dit
En commun, il va dire à Stick, bon, il faut le combattre aussi, lui, ou... Ça y est, je suis le chef. Bah, je sais pas, en fait, je comprends rien, en fait. Je sais pas, déjà, c'est un homme avec un masque, donc déjà, il va nous expliquer tout ça, et puis... Puis après, on verra. Il va passer... Okay. J'en sais rien. Il va juste passer une tête par la porte, et il va caresser continuer de caresser son œuf en quart d'Ali. Et il va chuchoter un truc, si vous voulez entendre, il faudra un jet de perception, parce qu'il chuchote vraiment pas très fort. Et il va s'adresser à toi, Bulg, de loin, en disant « Le grand blanc, fermez la porte, s'il vous plaît, fermez la porte !» D'accord, je vais me retourner fermer la porte. Clac, clac. Shaiwan entend. J'ai fait 25 en perception. Shaiwan entend très très bien. Il va lui chuchoter, il y a deux gestes, c'est parce que t'as un avantage. Non, le précédent c'était pour écouter. Ah oui, d'accord. Fait oui, okay. En discrétion. Oh. Et là aussi, je l'avais eu. Ok. Bon, tout le monde entend. C'est peut-être pas si bien dit en fait. Voilà, moi, c'est bon. Voilà, c'est bien. Tout le monde est chaud. Tout le monde est au taquet. C'est cool. Et non, vous l'entendez que je suis. Donc, bah, attendez. Donc, Bulg est un artificier encore une fois ou c'est... En fait, il... Non, voilà, c'est ça. En fait, il a juste fait un critique. En fait, c'est Brock sur des échasses. Tu sais, avec le sort déguisement, et puis bah et voilà quoi. Véga, tu es quoi dans D&D? Oui. Vous allez l'entendre murmurer. T'inquiète pas, non, ils vont nous sauver. On va être en sécurité, ils vont nous sauver. Et mais de manière, c'est vraiment. Enfin, ça va que vous avez une bonne audition quand même, hein, mais. Oui, il a l'air complètement cintré, ce petit Harpdog, ouais, effectivement. Ouais. Il se repose sur son lit légèrement détendu, alors il s'agrippe, tant que je dis pas l'inverse, il s'agrippera tout le temps à son œuf. Il sera tout... Imaginez-le en permanence en train de le caresser, comme si c'était un petit chat, vous voyez. Et imaginez-le comme ça, tout le temps, en permanence, avec son œuf. Là. Mon précieux. C'est un peu ça, quand même. On est un peu sur ce genre d'aspiration-là. Il regarde, il dit, bon... On y va? Vous faites genre que vous me prenez en otage et on se casse? Ou... Mais déjà, je vous pose ma question. T'es qui, putain? Moi, c'est Yarpnok. Moi, c'est Yarpnok, le chef des gobelins. Il ment, hein. Je veux pas faire de jet de perspicacité, c'est honteux, il ment. Comme un arracheur de dents. Mais t'es pas un gobelin, t'es pas... Il y a un souci, là. Bah non, je suis pas un gobelin. Mais c'est pas parce qu'on est pas un gobelin qu'on peut pas être chef des gobelins. Il a pas tort. Il me retourne vers Icebreaker parce que là maintenant toi tu comprends ce qui se passe. Ça fait 10 jours que tu confonds les deux là, que tu confonds Stick et Valek, et là maintenant qu'on tombe sur un gobelin qui est en vrai un gnome, toi t'es à l'aise. Quoi? Je devrais pas? Mais les deux ils sont frères, ça se voit, non? Comme le nez au milieu de la figure. Lui il a rien à voir, il porte juste un masque. Bon. Dès qu'Icebreaker parle, il va se crisper un peu plus sur l'œuf parce que la grosse voix, la grande taille et tout. Toi, tu dois te pencher hein, pour être dans le bâtiment. Hein. T'es quand même pas à l'aise du tout parce que c'est trop petit pour toi. Ouais. Je pense que je me penche plus par défaut parce que j'ai dû me prendre tous les traits. Oui, oui, c'est clair. Qu'est-ce qui s'est passé? Boum. Aïe. Merde, aïe. Aïe. C'est quoi ça? Aïe. C'est un peu ça, ouais. Et donc du coup, ouais, quand tu commences à parler, à dire oh, je comprends tout, il va se rentrer un peu la tête dans les épaules, tu vois, il crispait un peu plus sur son œuf. Et il va vous regarder et dire, bon, je suis pas un gobelin, et alors ça vous pose un problème? Moi tout ce que je veux c'est bordel, ici ils sont cons comme des balais et je veux me sauver, ils sont fous. Pourquoi vous partez pas? Parce qu'ils vont me suivre. Ah oui, mais vous serez parti. Bah c'est normal, vous êtes leur chef, c'est normal qu'ils vous suivent. Hein, oui, mais c'est ça le problème. Moi, il faut que je me casse, moi je veux retourner dans les 10 cités où je sais pas où, je veux plus vivre ici. Ils sont fous. Vous avez qu'à dire que vous partez en voyage et que vous nommez un autre pécor à la tête du village en attendant votre retour, et puis vous revenez pas. Oui, mais non, ils vont vouloir m'escorter absolument. Tu vois, la dernière fois que je suis barré, il y en a 20 qui ont voulu venir, ils sont jamais revenus. Ils continuent de venir quand même, ils sont fous. Ah. Non mais il suffit de dire que c'est pour quelque chose de très, je sais pas, chamanique. La dernière fois je l'ai fait, mais ils voulaient quand même me protéger, même après que je suis revenu en disant que leur pote était mort. Je comprends plus rien. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, oui, on a croisé certains de vos gars en venant, et ils nous ont dit que vous étiez parti
en expédition, on ne sait pas trop où, et que vous étiez revenu tout seul et que vous vouliez plus parler à personne depuis. Vous êtes allé où et c'est passé quoi? Si je peux te demander, j'ai une perspicacité là-dessus, s'il te plaît. Enfin, d'intuition, je sais plus comment, ils ont remodifié encore les fiches en le 20, alors je sais déjà plus comment ça s'appelle. Et c'est quand vous êtes parti que vous êtes revenu en gobelin? Mais non, mais moi ça fait plus de 2 ans que je suis en gobelin, moi, ici. Ah oui, quand même. Mmh. Bon, c'est un petit 12, je suis moins en forme. Pourquoi vous êtes venu ici? Faut que je compare rien. Pour répondre à la perspicacité de Shaywad, clairement, il y a des choses dont il n'a pas envie de parler. Tu dis, vous êtes parti, machin. Tu vois une légère ombre de peur, tu sais, sur son visage, et il veut pas trop en dire. Enfin, il a pas l'air de vouloir en dire plus, en tout cas. Ça n'a pas de l'enchanter de vouloir en parler. En fait, pour répondre à toi, il va dire, comment je suis arrivé ici? C'est-à-dire que j'étais avec des confrères et des consoeurs. On était ici pour faire du commerce. On venait de l'uscade, là, vous voyez. Et puis on s'est fait prendre en embuscade comme des glands dans la montagne. Ces abrutis de gobelins, ils ont fait effondrer tout un port de neige, en fait, sur nous. Et ils m'ont cru mort, en fait. Sauf que pas du tout. Et moi, je me suis retrouvé tout seul, là, dans la neige. Et quelques jours après, le grand hiver est arrivé. Et vous voyez, il fallait bien que je trouve un moyen de survivre. Du coup, je me suis bricolé un masque, et vu que je parlais le gobelin d'avant, parce que je parlais gobelin, si on regarde pas pourquoi, et je suis venu, j'en ai retrouvé, et puis, comme des cons, vu que je parlais bien, ils m'ont suivi, et puis je me suis dit, si t'es avec des gobelins, autant rendre ça, la vie agréable, quoi, construire un château. Et quand il dit château, il montre autour de lui cette espèce de grosse cabane, en fait, de pêcheur. Mais ceci dit, pour l'acheter sous le goblin, c'est propre. Je sais pas trop quoi penser, là. Et on s'en fout de ce que vous pensez. C'est à la fois brillant et à la fois très con. Mais c'est eux, les débiles, en fait. Je me suis rendu compte il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps? Ça fait 7 ans que vous êtes là. 2 ans. 2 ans. Pareil. Bon, la géométrie, vous savez... Tes regards en quoi ça... Heureusement que tu fais 2 mètres, c'est un 2m70, enfin à peu près 15 mètres pour lui, en fait, dans son référentiel. Sinon il aurait fait une remarque cinglante, mais là il va s'abstenir. Ça s'appelle l'intimidation passive. Moi je suis pour que ça soit implémenté dans les règles de base de D&D, tu vois. il va dire, en fait, moi, j'étais tout seul, en fait, et j'ai commencé à marcher, à survivre avec ce que je trouvais. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, je t'ai perdu dans l'école de montagne. Moi, j'y connais pas grand-chose. C'était pas moi qui gérais la caravane. Et il fallait que je fasse un truc. Et du coup, je me suis bricolé un masque. Il y a des gobelins qui m'ont retrouvé. Et puis, je leur ai parlé, montré que je savais faire des trucs. Et puis, ils m'ont pris pour un espèce d'élu divin. Et puis, voilà. Et on a fait tout ça. Alors, on a pas mal de questions avant de décider si on peut vous aider. D'accord, d'accord. Mais est-ce que vous pouvez me dire avant si vous allez m'aider ou pas? Non, justement, je viens de vous dire avant de vous dire si on peut vous aider ou pas. Les caresses sont neufs. Non, mais si, dites-moi si vous allez m'aider, après je réponds à tout. Du moment que vous nous sauvez. Bah, objectivement, on peut mentir, donc... Oui. Vous voyez que... Il n'a pas précisé la méthode de sauvetage. Oui, mais ça, après, ça vaut d'être inventif, moi, je... Voilà. Mais d'accord, on peut prendre un peu de temps, mais après on se casse, hein. Vous nous sauvez, le fais-moi. Oui, d'ailleurs, c'est quoi la première question? C'est pas vos audios. Cette... Si, non, c'est pas vos audios. Si on doit vous amener, ça va devenir notre audion. C'est un ami à moi. D'accord, je l'ai trouvé il y a pas longtemps, et il est à moi maintenant. Et c'est ami avec un oignon? Mais non, avec le... Quoi? Bah si, dites que c'est pas nos oignons et que vous êtes amis avec. Mais vous pourriez rester ici, vous serez leur chef à contester, hein. Quoi? Mais j'aime pas les oignons. On va arrêter les choses là. Attendez. S'il vous plaît. Alors, Yarb, c'est votre vrai nom, ça, ou... Non. Non, on s'en fout. Ouais, très bien, on s'en fout. Yarb, on n'utilise pas des métaphores avec Icebreaker.
quand on veut que la conversation arrive quelque part, mais j'ai pas reste, soif. J'aime pas les oignons, j'ai pas soif, foutez-moi la paix. Voilà, vous voyez de quoi je parle. Bon. Lui il rigole pas évidemment, là c'est MJ qui rigole. Du mal à t'exprimer peut-être. Ouais, non, je... Fais pas assez chaud, si fais pas assez chaud, je peux remettre une bûche dans le poêle, hein, comme ça vous aurez plus chaud. Ça boule, hein. Ça peut valoir le coup, ouais. Non, oui. Il se lève avec son petit œuf, il part, et vous voyez que dans la pièce d'à côté, en fait, c'est une pièce de dortoir avec des gobelins, c'est, vous savez, des lits superposés comme les enfants. Sauf qu'ils ont construit ça suffisamment haut pour qu'il y ait genre 3-4 lits empilés de chaque côté, tu vois. Et Je me retourne vers les autres tant qu'il est pas fait. Il est bizarre quand même, hein. Il est un peu con quand même. Je pense que c'est un peu plus que ça. Enfin, il y a un peu plus que con. Bah, je sais pas si la cardaline a des effets particuliers sur l'esprit des gens, mais il parle à son caillou quand même. Bulg, est-ce que je peux te demander... C'était un oignon. Un jet de sagesse, s'il te plaît. Pas de sauvegarde, de sagesse. Ok. Cet œuf te met extrêmement mal à l'aise. D'accord. C'est comme si t'avais des impatiences dans les jambes, tu vois. Tellement de choses à dire avec ça. De quoi? Non, on se retient de faire des vannes de merde depuis tellement, tout à l'heure. Tellement de choses à dire. Ah. Non, pas ce genre d'œuf. Et voilà. Oh, très bien. Et du coup, il part mettre une bûche dans le feu. Et il revient, il se rassoit sur son lit, un peu comme un enfant, là où il se pose. Il est toujours avec son œuf dans les mains. Alors pour ceux qui l'ont vu jeter la bûche, il a attrapé la bûche à une main, il tenait toujours son œuf dans la main gauche. Hein. Après, il a jeté la bûche dans. En fait, c'est un poêle, c'est pas une cheminée au final. Vous attendiez une cheminée au vu de la. Enfin, une cheminée, mais si. Un âtre ou quoi, c'est vraiment un grand poêle qu'ils ont dû piller quelque part, qui n'est pas du tout de fabrication gobeline hein, pour le coup, c'est fabrication de dissité, quoi. Et puis voilà. Il revient, il se rassoit. Il dit bon, on y va. On n'a pas eu la réponse. C'est quoi ce putain d'œuf? Mais c'est un ami. Je l'ai trouvé. Il était tout seul et voilà. Il a un nom. Œuf. Ok. Et son nom c'est œuf. On va pas beaucoup avancer. Hein. Bon, on y va. Vous simulez mon enlèvement, vous pouvez en tuer plusieurs, je tiens pas spécialement à eux, et on se casse. Oui mais non, c'est très con ça, parce que... Mais pourquoi c'est très con? Vous avez désossé le gobelin de deux. Oui mais ils vont nous suivre si on vous enlève, ils sont... Ils vont vouloir venir vous sauver. Voilà. Alors qu'une armée de gobelins ça peut servir, même s'ils sont débiles. Ce que je croyais, mais c'est hyper dur de vivre des gobelins en fait. Mais c'était hyper dur de vivre avec des débiles. Je comprends plus rien. C'est pareil. On confirme que c'est dur pour les deux. Où est-ce que vous avez trouvé cet œuf? C'est mes sbires qui me l'ont ramené. Ils étaient partis comme d'habitude piller et faire des raids et puis trouver les quelques caravanes qu'il y a dans le coin ou des voyageurs et puis ils sont tombés sur un reste de caravane qui était là dans la neige depuis longtemps et ils l'ont trouvé dans un coffre. Mais ils ont pas ramené le coffre, ils ont juste ramené l'œuf. Et du coup depuis depuis c'est le mien. Vous savez un peu dans quel coin c'était ça? Non, ils m'ont pardon, j'étais pas sûr, pas le message de Calou. à l'est, ils m'ont dit que c'était à l'est. Ah oui, dans la toundra, à l'est. Toundra à l'est, d'accord. Toundra à l'est. C'est pas, c'est autant vous dire que vous qui êtes du coin, c'est pas du tout précis comme information. Hein. Ça vaut rien, clairement. C'est bien. C'est ça enlève la moitié d'1 million de mètres carrés, c'est pas mal. C'est
C'est entre ici et les 10 cités, quoi. C'est... Est-ce que vous avez senti des changements chez vous, chez les gobelins, depuis? Bah moi, je... Là, tu vois qu'il il a le regard à gauche, à droite. Moi, je prends de meilleures décisions depuis que j'ai la fouille. Il m'aide. C'est-à-dire... Et puis... Comment est-ce qu'il vous parle? Vous l'entendez comme vous m'entendez ou... Je l'entends dans ma tête, ouais. Et il vous dit quoi? Là, tout de suite, il me dit que je devrais avoir confiance en vous. Et avant, il me disait que je devais aller rencontrer les Duergar. Et après, il m'a dit que je devais plus rencontrer Duergar et partir. Quoi? Il se rend pas compte de la portée de ce qu'il dit. Hein. Lui, Il vous a dit faut aller rencontrer les Duergar? Oui. Et c'est eux qui sont venus nous voir aussi. Mais moi, il m'a dit, vas-y, c'est bien. Et du coup, les Duergar sont venus ici? Oui, je viens de vous le dire. Ouais, vraiment falloir songer à partir. Mais il s'est passé quoi du coup? Vous avez vu les Duergar? Vous leur avez parlé? Bah oui, je suis même allé chez eux. Et... Il s'est passé quoi? Bah vous vous souvenez des 20 connards avec qui j'étais parti? Ouais. Ils ont buté. Et pourquoi ils vous ont pas buté vous? Bah parce que j'ai réussi à me barrer, j'étais plus malin. Grâce à l'œuf. Vous avez réussi à partir grâce à un oignon. Non. J'aimerais juste... Ok. Vous avez été plus malin grâce à l'œuf parce que vous avez réussi à échapper à une embuscade dans laquelle vous étiez tombé à cause de cet œuf qui vous avait dit d'y aller. C'était pas une embuscade. Non, c'était pas une embuscade. Il voulait juste parlementer. C'était pas du tout une embuscade. C'était une embuscade, ils auraient pas invité dans leur forteresse. Non mais quand je dis une embuscade, c'est... Ils ont massacré tous vos potes. C'était pas une négociation paisible. Je veux pas en parler. De quoi? Je veux pas en parler. Non, t'inquiète. Mm-hmm. T'inquiète. Ouais, t'inquiète. C'est un peu important quand même, parce que si les Duergar cherchent à vous suivre, à vous rattraper... Ah non, mais c'est pas moi qui veulent, tout va bien. Non, tout va bien, c'est pas moi qui veulent. C'est quoi qu'ils veulent alors? Mais c'est de la cardaline. Ok, donc s'ils veulent retrouver cet œuf, ça revient au même puisqu'apparemment vous le quittez pas. Je vais pas le laisser, c'est le bien. Oui, mais du coup peut-être qu'ils vont vous chercher quand même pour récupérer l'œuf. Mais non, c'est pas possible. Non. Non, ça les intéresse pas. Ils en veulent beaucoup plus que ça. Un œuf, ça les intéresse pas. Vu les quantités qu'ils avaient là-bas, un œuf, c'est pas ça qui va faire la différence. Hein. C'était où là-bas? Dans les... Où leur forteresse? Je pourrais vous montrer. Là, il prend une autre attitude immédiatement. C'est comme si d'un coup il se prenait pour un grand négociant, alors c'est surjoué évidemment. Vous voyez qu'il change complètement de sans lâcher son œuf, toujours en le caressant. Je pourrais. Gros blanc, et regarde son œuf. Ouais, t'as... Ouais. Je pourrais effectivement vous montrer cette forteresse. Si, vous me faites sortir d'ici. Moi je dis. Bon, ça me donne faim, c'est ça. Et je commence à essayer de me barrer, en fait, enfin, me barrer, de rester dans le truc, mais à chercher un petit peu, à pouvoir fouiller. Et je passe à côté d'Icebreaker. Je dis, je pense que lui, il se mange, et avec son œuf, ça ferait une sacrée omelette quand même. Et je me casse, je vais fouiller dans les autres pièces, voir s'il y a un truc à bouffer. Et il y a effectivement une petite cuisine et un garde-manger, ouais, effectivement, qui est rempli de viande séchée, tu sais, de. Est-ce qu'ils arrivent à faire pousser des patates? A priori oui, des champignons, des racines, ce genre de choses. Mais pas mal effectivement de viande, notamment d'oiseaux et de rapaces séchés. Bon, bah, tout ce qui se mange, ça va être très bien. Et j'en profite pour regarder si des fois il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas des, je sais pas, des documents, ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais qu'il y a un truc, une autre trace. Fais-moi un jet d'investigation. Non, ouais. Goblin, ouais. Dans le truc. Quoi. Et à ce que tu dis avant de partir, Stick, Paul, il va regarder Icebreaker et il va dire
C'était peut-être de la soupe à l'oignon dans notre vision. Quel enfer. Tu ne trouveras rien d'autre à part de la nourriture parce que t'as extrêmement faim. Là, tu te mets à manger, Stick, et t'as faim, 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 faim. Faim. Me donnez faim avec vos conneries aussi. Il reprend, Yarpnok reprend sa voix classique et dit oh, voilà, on. C'est bon, vous les tuez ou vous faites quelque chose et on s'en va hein. Et je vous montre où c'est la forteresse du regard si vous voulez. Mais bon, moi je serais vous, j'irai pas quand même. Hein. Ils sont beaucoup. Mais. Enfin, je crois que c'est Shaiwen qui disait ça tout à l'heure, effectivement, quitte à ce qu'on parte. Nommer l'un d'entre eux régent en votre absence, étant donné que Oui, mais. Nous sommes plus ou moins des élus d'après vos dires, normal qu'on vous escorte et que le gobelin moyen ne vous suive pas. Oui, c'est vrai qu'on pourrait faire ça, oui, mais. Je sais pas, vous avez pas encore fait assez vos. Enfin, ils ont juste peur de vous pour le moment, Enfin, si, ils vous prennent. Je sais pas, peut-être. Ouais, si, ça pourrait marcher, peut-être, oui. Mais qui je nomme? Et puis là, il regarde son œuf, il dit à ton avis, qui? Ah? Non? Elle? Non, pas elle, non. Lui? Ah, ouais, mais lui, trop con. Non, pas lui. Non, j'aurais bien nommé l'homme gobelin, mais ils l'ont buté, tu vois. Et il parle, en fait, si vous l'interrompez pas, il continue comme ça, pendant 10 minutes. Hein. Il n'y avait pas un deuxième qui semblait être chef, enfin aussi chef à côté du. Il y en avait un qui était plus gros que les autres, ouais. Bah, il y avait deux chefs qui étaient montés sur Warg, ouais, effectivement. Ah ouais. Bah, dont l'un qui Balek était très ventripotent. Balek va dire pourquoi pas un de ces deux-là. Ah, mais parce que eux, ils savent pas commenter, ils vont juste les mener. Quoi qu'on s'en fout, en fait, oui, c'est vrai qu'on pourrait les nommer eux, ouais. Mais oui, ça pourrait faire une diversion, mais remarque. Ils seront peut-être pas d'accord, ils vont leur se buter. Quoi l'idée? Hey. Non, j'avais une autre idée, c'est justement en profiter pour. Alors, j'ai deux idées. Mais d'ailleurs, pourquoi t'es bleu? T'es trop froid quand t'étais petit? Je sais pas. Et pourquoi tu ressembles à l'autre là à côté, alors que c'est pas un gobelin? Oh putain, il va pas s'y mettre aussi. c'est chiant hein, en fait. Non, mais ça va, il a vu que j'étais pas un gobelin au moins. C'est vrai. Ouais. Je précise, j'ai enlevé mon masque hein, parce que c'est plus pour parler. Ça nous avance pas beaucoup plus pour autant. Mais parce que pourquoi on n'utiliserait pas l'armée des gobelins pour attaquer la forteresse des grilles hein des Dwargars parce que ça réglera deux problèmes en fait c'est pas des vrais combattants en fait. Enfin, ils ont bien des piques, des haches et des javelots, mais c'est pas non, enfin, ils savent pas se battre en fait c'est diversion. Oui, oui, bah oui, mais non, enfin le problème c'est qu'on va arriver devant la forteresse et puis juste ils vont nous tirer comme des lapins depuis les meurtrières et puis c'est tout. Ah, après c'est vrai que c'est pas con ce qu'il dit. De toute façon si on les laisse là, enfin les deux regards vont forcément passer, qui meurent en nous accompagnant ou en restant ici. Autant qu'ils meurent en nous accompagnant, non enfin... Ou alors, si on fait passer un écureuil sur la muraille avec une corde, on pourra tous monter sur la forteresse. Le problème, c'est qu'il y a ni d'écureuil, ni d'oreille là-bas. Donc, vous voyez, c'est... Non, mais l'écureuil, on l'amène. On enferme tous les gobelins dans des grosses caisses et on dit qu'on a une livraison de cardaline. Et puis, ça, il pourrait faire, ouais. Faire un cheval en cardaline. On met oui, d'accord. Ça, moi, du moment que vous m'emmenez en sécurité et que je suis plus chef d'ici, ça me va. Je pute. Petit jet de perspicacité du groupe, s'il vous plaît. Oui, le perspicacité. Ok. Ah ouais, il est perspice. Icebreaker ultra. ultra instinct. Icebreaker, il y a un truc qui va pas du tout dans son discours. C'est que tu te dis pourquoi il s'est fait chier avant tes tribus de gobelins et maintenant il veut se barrer. Il y a peut-être, comme on dit chez toi, il y a peut-être Gnoll sous bosquet, tu vois. Ok. Dites-moi,
Comment ça se fait que vous soyez fait chier à monter une compagnie de gobelins et que maintenant vous cherchez à partir? Moi je dis que tout ça, ça sent le gnoll sous le rocher. J'étais pas prêt. Et je sors lâche. Non, pas taper. L'air prend ses instincts de gobelin un peu, enfin de faux gobelin quoi. Non. Bah. Je suis attrapé ma hache et dire c'est vrai qu'il y a peut-être une couille dans le potage. Ah mais arrêtez avec vos histoires de bouffe là. Là il y a le ventre d'icebreaker qui commence à faire gros. Et je te tends une vieille racine que j'ai laissée. C'est de la cannelle donc c'est dégueulasse. Ouais, c'est... Je prends le truc, je renifle de loin déjà avec mon sens aiguisé. Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur? Mais c'est de la merde. Ça je reconnais, c'est de la merde, oui. Non, ça a bon goût. Et il va se relever. Alors vous avez remarqué que quand Icebreaker a levé sa hache et Bulk a sorti la sienne, il s'est couché un peu sur le lit. Il est pitoyable, hein. Il est un peu minable comme type. Et il a voilà. Serré son œuf contre lui et il dit « Non, ne me faites pas de mal, c'est juste que j'en ai marre en fait. Les châteaux, ça me manque, les auberges, ça me manque. Puis ils sont cons comme des balais, on peut jamais discuter avec eux, c'est super con, un gobelin, putain !» Et puis en plus, il y a l'autre Manafek là, qui est en train d'essayer de l'élever contre moi, c'est épuisant, vous êtes venu pile au bon moment. Le quoi? L'autre quoi? Manafek. Mais oui, c'est l'autre grognasse, là, de chaman, là. Ça se mange, ça aussi? Si vous voulez, m'en fous. Ils sont cons. Pardon, vous avez pas l'air bien plus brillant, hein. J'ai essayé de faire des trucs, comprenez-moi. J'ai tenté de survivre, je me suis dit, bon, peut-être qu'on peut en faire un état civilisé, mais que dalle, ils sont complètement cons. Et il pleure vraiment, il est en train de chialer sur le lit, tout ce qu'il sait. Peut-être que vous le prenez en grosse pitié d'ailleurs. Mais vous le trouvez pitoyable plutôt. Ça commence pareil, mais c'est pas la même chose. Sinon, il y a une autre solution, c'est on lui tape sa gueule, on prend l'œuf et on se casse. Mais de toute façon, il a pas l'air de vouloir nous répondre. Oui, je dis ça va, t'as rien à foutre. Mais... Putain, on a le degré zéro de la subtilité dans la négociation, putain. Bah, non, ouais, mais il veut rien dire, donc. Je suis d'accord avec le frangin de Valek, hein. C'est une bonne idée. Et tu vois, vous voyez qu'il colle son oreille contre son œuf, en fait. Et il a l'air d'écouter, puis il fait oui, de la tête. Après, non, oui. Après, il dit, oui, mais si vous me tuez, enfin... On peut vous emmener chez du regard, il y a que moi qui sais où elle est, vu que les autres sont tous morts. Mais ça parle, votre oignon, là. Et j'essaie de lui prendre. J'essaie de faire ça. Ouais. Ok. Bon, initiative. Ok. Alors, très bien. Bah écoute, je te propose d'essayer de gérer ça avec des jets en opposition d'athlétisme ou d'acrobatie, comme tu préfères. Bon, ça va être l'athlétisme. Surprise. Ok. Oh mais oui. Non. Et attends, lui il a pas acrobatie donc il va juste faire un jet. Putain, il va juste faire un jet de dex. Faut vraiment que je configure mieux mais sur cette partie aussi. Hop. 12. Donc il a réussi à garder, mais en fait tu vois qu'il a. En fait, tu essaies de lui prendre, bah comme Icebreaker, j'imagine, c'est sans finesse quoi. Tu vois, genre là, t'essaies de lui arracher le truc. En plus, lui, enfin, son torse, c'est la taille de tes mains, quoi, tu vois, donc c'est pas, voilà. Et j'exagère à peine, pour le coup. Et en fait, tu vois que d'un coup, il se retourne, il te pousse la main, et en fait, tu aperçois que dans sa main droite, qui tient l'œuf, tu vois une légère surbrillance autour de ses doigts, une espèce d'aura un peu violacée, comme s'il s'apprêtait à lancer un sort. Il le fait pas, hein, c'est juste les prémices du lancement de sort, et il n'a pas proféré les mots, ni fait les bons gestes, mais... Il y a quoi dans votre main, là? Pas vos oignons. Bah non, visiblement c'est le vôtre. Mais c'était quoi cette lueur là? Écoutez, personne ne touche mon œuf. Non mais d'accord, mais je sais pas, c'est bizarre un oignon qui parle quand même. Et donc, que ça peut vous faire? Comme vous voulez, si vous voulez. Je nomme un type là comme chef. Et puis, alors je dis à Manafek que c'est bon, elle a gagné, et puis... Non mais si vous voulez, moi, ça je m'en fous.
Mais c'est pas tous les jours qu'on peut parler à un oignon. Je peux essayer ? Non, non, c'est le bien. Non. Bon bah vous le tenez, j'ai pas non, parle. Personne ne le touche. C'est mon oignon, mon œuf. Mais je viens de dire que je le touchais pas, vous le tenez. Vous êtes un peu con quand même des fois. Bon, hein. écoutez. Quoi Ah, Shaiwan qui commence à vraiment... Shaiwan, j'ai regard à Valek en mode qu'est-ce que... Aide-moi. Est-ce qu'on leur pète la gueule à tous ou comment on fait? Valek qui a l'air tout aussi perdu, qui... Je sais pas, il va pas t'aider. Merde. Non, pardon, c'est bien dans sa merde. Non. En même temps... Écoute, bah après, idée, savoir où sont les deux regards, ça pourrait être une bonne chose quand même. Et de toute façon, manifestement, on n'a rien d'autre à faire ici, on est d'accord. Les gobelins, si jamais on a éventuellement besoin d'une troupe un peu plus tard, ça pourrait être utile, même si, d'après ce qu'il nous dit depuis tout à l'heure, je pense que ça pourrait se retourner contre nous. Genre, si on essaye de leur donner des ordres ou de les coordonner pour faire quelque chose, il y a moyen que ça nous revienne dans la face. Donc, ce que je propose, c'est qu'effectivement, on s'en aille avec lui et son œuf, et on verra les détails plus tard, à la limite. Mais il faut qu'on avance, le temps presse, on a besoin d'informations sur ce qui se passe, on a besoin de savoir ce que les Duergar trament. Donc là, on en a l'occasion, allons-y, partons avec lui, et à la limite, on va pas massacrer le reste des gobelins. Ils ont rien demandé, et puis ça nous fait des gobelins. Mais on s'en fout, enfin, tu l'as entendu, ils sont congos de briques. Ils l'ont attaqué, ils l'ont pris en embuscade, il a failli mourir, et pourtant il a réussi en quelques jours à prendre le contrôle de toute la tribu. Je les vois pas vraiment comme une grande menace. Je sais pas ce que je veux dire. J'ai écouté toute cette partie et c'est Bull qui parlait de bouffe depuis tout à l'heure, du coup j'avais faim. Donc du coup on sort, on tabasse les gens ou on sort? Non, on tabasse personne, on s'en va discrètement. On les laisse galérer tout seuls. S'ils sont aussi cons qu'il le dit, il va bien leur falloir 3-4 jours avant de se rendre compte que le chef a disparu. À ce moment-là, on sera loin, ils sauront pas où on est parti. Et si jamais plus tard, peut-être on a besoin d'eux, on reviendra. Et voilà. Ouais, je suis d'accord avec ça. Ouais, moi aussi. Ça veut dire quoi discrètement par contre? Ça, je t'expliquerai un jour. Non, mais nous, on n'a pas besoin. Nous, on n'a pas besoin de partir discrètement. Ils nous ont vu, ils savent qu'on est là. Il y a pas de souci. On dit en mode, on repart. C'est lui qui doit être discret. Il faut pas qu'il se rende compte que lui est parti. Donc, il faut qu'on l'emmène et qu'on le cache avec nous. Mais comment on le cache? Alors, j'ai bien une idée. J'ai bien une idée. Est-ce qu'elle va me plaire ou pas? Parce que vu l'intonation, j'ai pas la pression. Ah. Non, mais. Il enlève son masque. Toi aussi, tu pensais à un tonneau de nid. Alors qu'il enlève son masque, oui, mais ils vont peut-être se demander pourquoi tout à coup il y a un gnome qui a popé dans le camp. T'es sûr? Ils savent exactement combien de personnes sont rentrées dans cette baraque? Alors, c'est pas dit qu'ils savent compter, effectivement. Mais ils sont peut-être pas bons en géométrie non plus. Hein. Il enlève son masque, on lui prête une cape pour pas qu'il reconnaisse ses vêtements. Et une épée. Et c'est classe qu'on a une cape et une épée. Non mais écoute, dans l'eau il y en a peut-être un ou deux qui sont moins cons que les autres, on va pas prendre ce risque là. Ce qu'on peut faire, j'ai vu des wargs, c'est moins con. C'est vrai que les wargs c'est peut-être moins con. Vous vous souvenez sur le lac, vous souvenez que Bulg a grandi? Et ben non. T'as fait ça toi? Et ben peut-être que Yarnok peut rapetisser. C'est-à-dire? C'est-à-dire pas... Qu'est-ce que tu dois tisser? Peut-être pas le moment de se mettre à la... Je lance Enlarge Reduce sur Yarb, j'en ai ras le cul. Tu le reduce, c'est ça? Je le reduce, ouais. S'il est pas d'accord, il fait un jet de sauvegarde de constite. Ah putain, non, mais il a pas le temps de pas être d'accord, parce que, en fait, du moment que vous parlez entre vous, lui, il parle à l'œuf, quoi, en fait, tu vois. Une espèce de dialogue complètement onirique, tu vois, enfin... Il est fou. Je suis désolé, Sony. Ouais. Non, mais vas-y, fais l'action. Mais j'ai un truc à faire après. Alors. Donc, tu le reduces du coup. Je le reduce, ouais. Okay. Donc, il descend d'une taille. Il devient très petit, du coup. Donc, oui. La taille d'un rat. La taille d'un rat. Icebreaker réagit en disant: ah putain, il y a un rat! Et je donne un coup de hache. Je pensais que t'allais récupérer l'œuf, juste. Ok, vas-y. Bah, l'œuf, il réduit aussi, vu qu'il le porte.
Bah, vas-y, attaque, hein, si tu veux. Mais il a un avantage à la CA parce qu'il est... Mais non. Et putain. Soit lui, putain. Tu lui fais combien? 15, 18, 20? Tu viens de faire un critique sur un rat, mais putain. Il n'est même pas un rat. Oh là bon, là ok, c'est assez tragique ce qui se passe. Il n'y a que sur un mouvement de troll pareil que tu fais des critiques, putain. Ok, ouais, ok, bon, d'accord. C'était un bon PNJ, mais non, il est pas mort en vrai. Mais par contre, ça fait sprouch. Tu sens que bah, ta hache, de toute façon, elle fait à peu près 20 à 30 fois juste la lame, la taille du gobelin, enfin du gnome, quoi. Et du coup, t'entends un scrunch, t'entends un cri de douleur, et en réponse, tu vois une petite lumière qui là où est Spélix, donc bah, ça on le voit, il est pas non plus, c'est pas Stuart Little non plus, un peu plus grand. Et tu vois une lumière violette qui commence à se lancer. Je vais te demander un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Icebreaker. Ça va bien se passer. Parfait. Tu es maintenant sous l'emprise de couronne du démon. C'est quoi ça? Oh mais non, ah mais non, non. Putain. Mais non. Je vais te demander de faire un jet d'attaque contre ton ami le plus proche. Donc Valek ou Stick, je te laisse choisir qui tu veux. Oh merde.